J'ai une ambition secrète et très intime, c'est que j'ai très envie de vous donner envie de devenir des amoureux. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire de la grande philosophie ce soir, j'ai profondément envie, c'est une vraie ambition intime, de vous montrer que c'est important, en tous les cas c'est très important pour moi, ça me tient à cœur, mais de vous montrer que c'est pas juste une idée comme ça, devenir amoureux, etc. C'est quelque chose que je crois capital pour l'avenir de l'humanité. Et j'aimerais vous convaincre que ce n'est pas juste une théorie, que ce n'est pas juste une conférence de plus, et que c'est quelque chose qui, j'aimerais, percute votre réflexion profonde quand vous rentrez à la maison, et que vous vous disiez, c'est bizarre, cette idée que l'amour, ça ne suffit pas. Je sais que c'est spirituellement pas correct, c'est même développement personnel pas correct du tout, et que partout où on va écouter des conférences, on vient vous dire à l'amour, enfin, il n'y a que l'amour, quoi. Et on part et on dit, ah ouais, l'amour, hein, c'est vrai, il faut qu'il y ait de l'amour, quoi. Et moi, je viens et je veux vous dire ce soir que profondément, je pense que devenir un amoureux, c'est permettre à l'amour d'exister. Et que tant qu'on n'a pas fait ce choix de devenir un amoureux, l'amour ne suffit en aucun cas à aimer. L'amour ne garantit en aucun cas la compétence amoureuse, l'amour ne garantit même pas la compétence relationnelle tout court.